Bon, on est à la gare de Bayonne et on part pour un trip de traversée des Pyrénées en vélo par les grands cols du Tour de France. On part de Bayonne, on arrivera à Perpignan et on fait ça en famille puisqu'on est Max, moi et nos deux papas. Donc on part pour à peu près 700 km, 11 000 mètres de dénivelé positif et puis un à des cols un peu sympa par jour. Départ pour une première étape de transition, direction Oloron-Sainte-Marie. C'est quasiment plat, c'est super joli, il y a presque 100 bornes, nickel. Oloron-Sainte-Marie, et ce matin, on part d'Oloron pour aller faire le col de l'Aubisque et le col du Soulor. Presque 1700 mètres de dénivelé aujourd'hui. Jour 2. Bon, on est arrivé dans la montagne, ça y est. Ça grimpe à mort. Je crois que les roches parlent pour nous. C'est parti, première pente du col d'Aubisque. On est chaud. 16 km. On est chaud. Descente pas ouf, autrement dit on n'y voit rien en fait. Jour 3. Jour 3, démarrage d'Argelès-Gazeau. On s'attaque à la plus grosse journée. On fait le tour Malais et le col d'Aspin. Ça va être le moment de vérité. C'est aujourd'hui qu'il faut tout donner. L'équipe de choc des Padres. Des Padres. Voilà, on est à Luz-Saint-Sauveur, on aborde de Tourmalet, ça part direct après le village là. Ça va Max? Ouais, j'ai plus de vitesse là, c'est bon. On arrive à Barège. Il nous reste encore 14 km. C'est long, long, long. T'as un faux air de Pantani, je trouve, là, comme ça. Allez, santé.
à cette belle étape. Sacrée étape aujourd'hui là. 2362 mètres. Dénivelé quand même. C'est la plus grosse journée là. Autant de descente. C'est une très bonne idée. En début du jour 4, c'est ça, c'est le jour 4? Oui. On est à Loudenviel, on s'apprête à monter le col de Peyragudes. On est dans le col de Peyragudes, à 2 km de l'arrivée. Tout va bien, il fait bon. Il y a le padré qui est devant. Et le V au fond, c'est le col. Routine du matin, faire les sacs. On va là au col du Porte d'Aspet et c'est parti, on est au pied. Là ça monte vraiment très fort, il pleut. Là c'est très dur là. Je pense que je vais arrêter de filmer parce que j'arrive plus à grimper. Départ de Saint-Giron. Saint-Giron, arrivé Axe-les-Thermes. Une petite nuit passée dans un monastère. Ouais, on a passé la nuit dans un espèce d'ancien couvent réaménagé. Oh, c'est joli. Bon, changement de programme, on passe par le port de Lers. Ça devrait être plus joli, plus calme. Arrivé à Aix-les-Thermes, fin de l'étape et voilà, on prend des raccourcis parce qu'on s'est trompé de route. Bon, rien, réparation. Petit souci technique, Pascal a cassé un rayon. Mais que nini ! Maxime, il a Colson. Ah. Et voilà, fin de chantier pour aujourd'hui, sans borne.
un très beau col, 1500 mètres de D+. Ben voilà, on est bien là. C'est parfait. Belle journée. Et ce matin à Ax-les-Thermes, départ pour le dernier col du voyage. On fait le port de Payerne. C'est quand même un col hors catégorie, donc je pense que ça va être chouette. Normalement, c'est notre avant-dernière journée. Et sachant que demain, c'est une journée très cool, on a 50 bornes à faire. For a new world, plus que 16 km, la route est belle, c'est calme, c'est parfait. Ça sent la fin, première fois qu'on voit indiquer Perpignan. Like 50 km/h, là on est bien. Sans trop forcer en plus. Dernier départ. Ce soir on s'arrête à Perpignan, enfin on va se baigner. Et voilà, comme à son habitude, Maxime Denet prend la tête de la course. Ouais.